passé derrière Croix, sur route qui passait derrière Villa. Port-au-Prince, hein, comment ça y est? C'est encore la Pérez avec augmentation. Zach Kidnapping, aujourd'hui, c'est vendredi, ça qui risquait quand même réduit, sauti le soyau. Mackinson Rémy qui toujours prend plaisir chaque week-end hein, pour Zach Kidnapping qui augmenter et qui continue pour la plus belle. Mais bonne nouvelle, hein, matin, pour fans et proches amis des collines, yo Johnny, des collines anciens, gloire football national, là, c'est confirmé, oui, après deux jours, il passé en bas, mais ravisseur, yo Johnny, des collines, joigne libération, l'information, t'es confirmé, très bonheur, dans la nuit d'hier soir, pour l'ouvrir, matin, il était environ 11h, pardon, il était environ 1h30 matin, l'information ça arrivé joindre nous et nous apprendre de l'autre monde qui était accompagné joyeux à joindre libération et dans même occasion guerrier nous pas gain trop détails sur comment libération ça arrivé est possible mais seul ça le concerne celle ça nous connaît bandi yo té réclamé $500,000 américains pour té libérer otage Zach Kidnapping yo nous ka dit qui augmenté dernier jour ça yo particulièrement dans région métropolitaine Port-au-Prince dans même semaine ça chef gang Grand Avignon li revendike Zach Kidnapping yo nan yon voice ki an sikulasyon sou rezo sosyo yo li fè konnen nan kat denye kidnapping ki fèt sou pitit om d'affèr nan Kafouan Zach sa yo fèt pou chèche l'ajan e se kom yon defi pou otorite yo ki jusqu'à présent pa vreman reagi pa genyen trop gros opération la polis mene pa genyen aucun deklarasyon ki fèt pou mete citoyen yo an konfians citoyen yo ki komanse et peur hein, à cause de situation ça et ça réduit le déplacement mounio moun qui t'a essayé mettez tête yo dehors le soir pour aller détendre yo tant coup jeudi vendredi a d'ailleurs en week-end tant coup on a commencé là retourner à la caillou ouais rester la caillou bon pour pas sortir pour yo pas victime donc moun yo sorti koulia si yo gen besoin hein, la Pérez situation kidnapping nan vin mettre la caillou fait moun yo très prudent jodi a oui la Pérez qui envahit les citoyens yo mais concernant et kidnapping titi loto c'est ça et petit titi loto et ben nous apprend ça ta gen lien avec mouvement qui a fait la matin 54 nan mon a parlé là c'est ça yon source fait connait côté la police déjà sous place et yo empêché la police empêché trois machines qui étaient bloquées là ouais ils ont empêché mettre du feu là-dedans puisque individu qui yo même selon information nous gagne ta gagne zam nan mayo ben tu après mettre du feu nan machine ça yo mais la police arrivé à temps donc pour empêcher sa fête mais jusqu'à présent circulation t'a semblé beaucoup reprendre nan la matin 54 n'a prêté nan question insécurité à Kazak Kidnapping avec notre déclaration Pierre Espérance NDDH qui les mêmes dit résultat en tout cas kidnapping à insécurité qui a augmenté dans pays en dernier temps ça yo c'est résultat comportement irresponsable autorité dans l'état qui pas jamais prend aucune disposition pour renforcer la police là pendant alors que yo gagnent moyen pour financer et puis équiper bandi avec gros matériel pour opérer et pouyon ses positions réseau national cap défendre droit mounio sous situation malouk payant Pierre Espérance estimé ces peuple qui pour lever camper pour forcer autorité yo suspend by bandi moyen zam ak munition pour terroriser population dans quartier populaire yo et puis mettez moyen disponible pour acteurs dans chaîne pénale pour yo ka fait travail yo comme ça droit en côté Pierre Espérance était parlé comme ça dans micro Ganito François. Ça n'a vu journée aujourd'hui dans le pays, li préoccupé nous en pile, li inacceptable. Et c'est résultat comportement autorité dans la façon de gérer la sécurité dans le pays. Sorti 2017 pour y aller journée aujourd'hui, la police nationale, la police, yo n'a pas de moyens, yo n'a pas de bottes, yo n'a pas de. Yo pa gen uniforme, yo pa gen motocyclette, yo pa gen machine, alors que bandi yo gen gros am pan fwa et yo gen gros moyen nan men yo pour yo attaquer population. Donc
nous voyons que l'insécurité a augmenté, côté que l'année dernière, presque dans la même période, ça, côté que tu as un pile cas de kidnapping, et nous voyons que le kidnapping a recommencé. La population n'est pas capable de bouquer. Et si on côté, et nous avons dit que nous nou constatons que les policiers n'ont pas les moyens pour faire le travail, yo, mais en même temps, il y a des unités que l'autorité a utilisées dans la police, là, laisse pour craser manifestation, bah utiliser gaz lacrymogène abusivement contre la population, et bien là, ça, il y a des moyens. Donc, la population, c'est lui pour lever campé. Lever campé pour forcer l'autorité yo et changer comportement pour yo suspendre bay bandits armes munitions avec la et l'argent pour terroriser massacrer population hein. C'est pour mettre moyen et bay pour acteur yo dans chaîne pénale la police là, avec la justice là pour yo capable faire travail yo nous avons que un paquet de dossiers qui traîne hein, dossier massacre yo victime yo Petro-Caribé, alors que tout notre dossier qui concerne autorité ou bien et pouvoir, ou bien monde qui a un gros moyen, dossier ça au marché tant que TGV dans et juridiction Port-au-Prince. Voilà, déclaration Pierre Espérance, responsable RNDDH. Comment expliquer remonter Zak kidnapping yo dans pays dans moment ça, yon ancien ministre la justice qui fait la réputation dans bataille li tap mené contre gang Likman Delil qui trois mois quelques jours après le quitter ministère justice et sécurité publique accepté parler avec nous sur comment la vive hein, situation insécurité à Likman Delil qui en direct avec nous matin hein, guerrier ancien ministre au ministre Likman Delil bonjour et bonjour Pierre Onel et bonjour Bossé et bon bal à journal là matin on salue les Galvez et guerrier du ciel monsieur nous salue nous comment nous chaque matin qu'on aime ses fidèles auditeurs nous donc nous là n'a kembe les questions et Pierre Onel demande moi qui m'a vive situation ça donc où tout qu'on est avec un pile amertume que m'a vive situation ça donc nous sommes descendus aux enfers monsieur kidnapper tel malaise donc il revendiquer you fait voice you filmer mon yo you monter qui boyé et de ce tout pays à boisinette avec situation ça living tout en sorte de phase de plaisanterie monsieur yo a pas pourvri la famille haïtienne. Alors, moi, elle est là pour me dire qui ça. Et depuis trois mois, quelques jours me tombaient, me posaient tête en silence, parce que l'aime des lames, des justes et des jaloux, des autorités, l'en pouvoir t'a dit, bah, ben, je m'en cap pas l'empile, je m'en cap pas le résultat, qu'on y a mes résultats, qu'on y a. Donc, ma part de ce directement président de la République, là, pour me dire, président Jovenel Moïse, c'est les populations qui ont voté. Donc, il face à l'histoire, il face à l'histoire. Donc, les pagans doivent tolérer que pays Haïti. Ça fait peur. C'est une volta. Donc. Avec nous, mais après l'émotion. Alphonse s'est calmé. On va pas qu'on l'habitue. On va pas qu'on l'habitue. La situation m'a crié. Mais vous que me prenez. Qui est-ce 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 qui est-